Coucou les pépites, et bien voilà, et le soleil vient de se lever. Il est, je pense, à peu près 7h30 ce matin. Personne dehors, uniquement les animaux, le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles et puis le clapotis de l'eau. Voilà, donc la pleine nature pour s'ouvrir sur une journée, se donner un sourire de journée et puis un petit réveil articulaire et musculaire pour démarrer sa journée en bougeant mais tout en douceur. Voilà, donc je vous propose vraiment une petite routine du matin, juste pour un réveil musculaire et articulaire, et pour commencer sa journée avec de l'énergie, mais toute douce. Voilà, alors on se met debout, vous avez juste le bruit du vent, on met les pieds parallèles, les bras le long du corps, on monte les épaules, on les descend, on inspire et on souffle. Ça fait du bien. Maintenant, on avance les épaules devant, derrière, devant, ouverture de la cage thoracique avec les pouces à l'extérieur pour penser à redresser sa posture. On ramène légèrement le menton vers la poitrine mais sans baisser la tête et on aligne son dos et tu entends le vent qui souffle. Et rotation derrière. J'en profite pour avoir un petit regard vers. Comme des roues qui tournent sur le côté et dans l'autre sens. On place son bassin, donc bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière et bassin neutre. Voilà, maintenant, hop, on ouvre les paumes sur le côté, on monte, on inspire. On pousse les paumes de main vers le ciel. Serre ses abdominaux. On redescend devant. On pousse les paumes de main vers l'avant. On creuse le ventre. On arrondit le haut du dos. Contracte vos périnées en douceur. Main sur les cuisses. Coude en arrière. Inspire de plat. Dos rond. Ouvre les coudes. Écarte ses omoplates. Entre la tête à l'intérieur. Redresse-toi sur l'inspire. Enroule à nouveau tes épaules. Ouvre la cage thoracique. Et à nouveau, inspire. Pousse les paumes de main vers le ciel. Reviens face à toi. Souffle. Garde les coudes à la hauteur des épaules. Les paumes de main face à moi. Ouvre ta cage thoracique, mais sans creuser le bas du dos. Relâche les bras. Inspire, accroche tes deux coudes derrière. Voilà, on est ici. Je me tourne de dos. Et ouvre bien ta cage thoracique. Si tu ne peux pas accrocher tes coudes, tu mets tes mains au-dessus de tes fesses et tu ouvres bien tes épaules. Serre tes abdominaux. Ah, on respire. Et ça, c'est du bien. On remonte. On met les mains derrière la tête. Juste au-dessus des cervicales. Pousse la tête en douceur dans les mains, on résiste, on contracte ses abdominaux, son périnée, ses dorsaux et on souffle en rentrant le ventre. On inspire, on lève les bras, on redescend, on souffle, on crochette les doigts au-dessus des fesses derrière, on plie légèrement les jambes, la ligne droite du coccyx jusqu'au sommet de la tête, tu bascules ici de plat. Là, tu vois, ton dos est parfaitement aligné. Et là, on bascule le buste vers l'avant légèrement. Si on ne peut pas descendre plus bas parce que ça tire à l'arrière des cuisses, on plie davantage les jambes et on décolle les mains. On sent l'étirement et l'ouverture qui s'accentue. On reste. Si on peut aller plus loin, on bascule un peu plus le buste et on lève un peu plus les mains. Sinon, on reste en haut. Et on relâche la tête. Donc la position intermédiaire ici est très bien. Du moment que le dos reste droit, tu vois, il y a toujours cette ligne droite qui va du sommet de la tête jusqu'au coccyx, encore une fois. Et là, on souffle, on bascule. On relâche les mains.
On décrochette les doigts, on relâche les épaules, la tête, le cou, on creuse le ventre et on reconstruit sa colonne vertébrale. Je reviens face à toi. Là, tu tournes la tête et tu restes bien dans l'axe de ton corps. Tourne juste la tête sans bouger ni le buste ni les épaules. Reviens, lève les yeux vers le ciel, garde les épaules basses, essaye d'allonger devant. Allez, extension au niveau des cervicales et là on bascule légèrement pour amener le menton et le regard vers le sol en gardant les épaules basses. On revient et on bascule l'oreille vers l'épaule. Reviens et bascule. Et reviens. Maintenant, bascule ici le menton. Allonge au niveau de la nuque. Et là, tu regardes vers le ciel. Tu pivotes. Et tu tournes légèrement la tête sans forcer. Tu regardes vers l'arrière sans bouger ton buste. Et tu reviens et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc ces petits mouvements-là, au niveau de la nuque, vont aider à te détendre, surtout si tu travailles sur un écran, sur un ordinateur, sur ton téléphone. Enroule tes épaules et à nouveau, une belle respiration avec le regard vers le ciel. Tu pousses les paumes de main, tu allonges les index, baisse tes épaules, serre tes abdominaux. Respire et redescends, souffle. Voilà, donc un petit réveil articulaire, musculaire, surtout pour le haut du corps. On sait qu'après on va rentrer, on va s'asseoir. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Donc ce sera tout en douceur, un petit déjeuner tranquille. Et puis après, on va commencer sa journée comme on l'entend, soit assis. Mais on n'oublie pas de se lever toutes les heures et demie pour faire quelques respirations, quelques mouvements pour la nuque, quelques mouvements pour le dos, et on n'oublie pas la contraction de ses abdominaux. Donc la prochaine séance sera certainement une séance qui te permettra de travailler un petit peu plus avec tes abdominaux et toujours avec la respiration. Je vous souhaite une belle journée et pour cette journée, un beau sourire pour avoir de l'énergie positive. Voilà, à très bientôt. Au revoir.